أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 57. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي الرياضيات باللغة الفرنسية للشهادة الإعدادية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة يكون في ضيافتنا للحلقة الثالثة الأستاذة هند عبد العزيز. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا مستر، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، شرفنا وتشرفينا كالعاده ان شاء الله باذن الله. والنهارده باذن الله هنقدم فرع جديد من الفروع بتاعتنا في المات اللي هو التريجونومتري، اللي هو حساب المثلثات. ان شاء الله تبقى حلقه موفقه باذن الله. حلقه جميله جدا، وحلقه بروح الفنانه الحمراء. ان شاء الله باذن الله. اوكي ان شاء الله حلقه موفقه ان شاء الله يا فندم. Bonjour à tous mes élèves. Aujourd'hui, on va présenter la trigonométrie. La trigonométrie, c'est une branche de maths cette année. On a déjà présenté géométrie et algèbre. Aujourd'hui, on va faire la trigonométrie. Ce n'est pas facile, ce n'est pas difficile, mais c'est facile. Alors, maintenant, on va commencer à faire ce que ça veut dire trigonométrie. Alors, la trigonométrie ici, au commencement, il parle d'un angle. On a déjà présenté l'angle, c'était confirmement, c'est 35 degrés, 45 degrés, mais aujourd'hui va être une autre chose. C'est quoi aujourd'hui? C'est 35 degrés minute. On a seconde aujourd'hui. Alors, on va savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. Si on a, ça c'est angle, 35 degrés, 46 minutes, 25 secondes. Oui, on a 35 degrés, 46 minutes et 25 secondes. Cela veut dire quoi? Que le degré égale 60 minutes et les minutes égale 60 secondes. Ça va. On a besoin de savoir ça? Oui, au commencement, on a besoin de savoir ça. Mais maintenant, on veut savoir comment on va convertir ou transformer d'un angle avec degré ou avec un angle
avec minutes et secondes seulement. Alors, comment on va convertir ça? Convertir veut dire transformer. Comment on va transformer ça en degrés seulement? Pas minutes, pas secondes. Alors, j'ai besoin seulement de notre directeur d'être ici un peu. Alors, voilà. Ici, ça c'est bien. Vous voyez bien, n'est-ce pas? Alors, on a 35 degrés. Voilà, on va appuyer ici, 35 degrés. Et puis, on a 46 degrés. Et puis, on a 25 degrés. Comme ça, on a degrés, minutes et secondes. Degrés, minutes et secondes. On va faire égal. Voilà. Et puis, on va aller ici. Vous voyez ici. Et on va faire comme ça. Il va nous donner 35,77. Ça va? Vous voyez bien ici. Alors, ce nombre, on va le transformer en 35,67 degrés seulement. Ce nombre va être transformé en 35,77 seulement. D'accord? Si on veut faire le contraire, par exemple, si vous avez 25,46 degrés, 25,46 degrés. Comment on va faire le contraire? Comment on va faire le contraire? Allez, avec moi, on a 25, 46. On va faire ici égal. Vous voyez ici, ça c'est shift. Voilà, ici, degrés. Voilà. Maintenant, on a transformé de degrés seulement en degrés et minutes et secondes. D'accord? Alors, le nombre va être combien? C'est 25 degrés, 27 minutes et 36 secondes. Pardon, c'est 36 secondes. Ça va? Maintenant, on va aller à notre point. Ici, la trigonométrie est basée sur Pythagore. Comment sur Pythagore? On a rapport trigonométrique de base d'un angle aigu. Voilà, rapport trigonométrique de base d'un angle aigu. Base d'un angle aigu, c'est ça. Ça, c'est base d'un angle aigu. On a deux angles aigus. Voilà un et voilà l'autre. Puisque ça, c'est la loi de Pythagore. La loi de Pythagore dit quoi? On va faire un peu de rappel comme ça. Le rappel de Pythagore dit que on a ici, si vous avez ici 90 degrés, alors ça, c'est l'hypoténuse. Ici, c'est 90 degrés. Alors, ça, c'est l'hypoténuse. On va commencer à faire ça, c'est A, et ça, c'est B, et ça, c'est C. D'accord? Alors, l'hypoténuse, c'est AC égale quoi? AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Une autre fois, rappel pour les lois de Pythagore. AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. On va mettre cette loi avec nous ici pour ne pas oublier notre loi qu'on va utiliser aujourd'hui. Voilà, ça c'est la loi de Pythagore. AB au carré égale A, AC au carré, pardon, est égal à AB au carré plus BC au carré. Ça c'est la première loi qu'on va utiliser. On veut faire un rappel aussi. C'est comme un rappel maintenant pour l'utiliser avec nous. Alors, rappel. Le complémentaire égale 90 degrés. Alors, les angles complémentaires est égal à 90 degrés. On va dire comme ça, les angles complémentaires est égal à
90 degrés. On a aussi les angles supplémentaires égale 180 degrés. Ce sont des rappels parce qu'on va l'utiliser après. Alors, le complémentaire, c'est 90 degrés. Les angles supplémentaires égale 180 degrés. Et aussi, la somme des mesures d'un angle égale 180 degrés. Alors, ça, c'est seulement comme rappel, on va l'utiliser aujourd'hui avec nous. Les complémentaires, c'est 90 degrés, supplémentaires, 180 degrés, et à la fin, la somme des mesures d'un angle égale 180 degrés. Pourquoi on dit ça? Parce qu'on a des problèmes où on va faire ça. Si, par exemple, on a le rapport entre les mesures d'un triangle rectangle égale 2 avec moi, 2 par rapport à 5. Alors, les mesures de l'angle d'un triangle rectangle égale 2 par rapport à 5. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire premier angle par rapport deuxième angle. Enfin, on a somme. Alors, le premier, c'est 2 par rapport à 5. Et ici, on va faire la somme. Ça va donner 7. D'accord? Alors, premier angle, deuxième angle et la somme. Ici, au-dessous de la somme, ça, c'est angle rectangle. Alors, les deux autres angles égalent 90 degrés. Alors, on a besoin de savoir le premier et le deuxième. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire premier angle égale 2 fois 90 sur 7. On va savoir la réponse maintenant. Et puis, on a deuxième angle égale 5 fois 90 sur 7. On va chercher le résultat. On va faire ça ensemble avec. Allez, avec moi. On va regarder ici. Alors, 2 fois. Ça va comme ça? Attendez. 2 fois 90 égale divisé par 7 égale. Vous voyez? Alors, maintenant, on a besoin de savoir ça, le nombre en degrés comme un angle. Alors, on va faire quoi? Égal, voilà. D'accord? Alors, c'est 25,771. Ça, 25,71. On va aller au deuxième. Voilà, même chose. 5 fois 90 égale divisé par 7 égale. Alors, la réponse, c'est 64,28. Alors, si je veux savoir ces mesures en degrés, comme un angle, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, simplement, on va mettre le 25,71 égale. On va faire ici simplement, voilà les degrés.
ici. C'est bien comme ça? Vous voyez bien? Alors, c'est 25 degrés, 42 minutes et 36 secondes. Même chose, on va le faire avec la mesure ici. 64, approchez un peu. Ah, voilà, 64,28 égale. On fait égal d'abord et après, on va presser ici, appuyer, voilà. La réponse est ici, 64 degrés, 16 minutes et 48 secondes. Maintenant, on va laisser ça, c'est fini. On va aller ici pour savoir comment on va utiliser les pythonises à Pythagore dans notre leçon aujourd'hui. Comme ça, on a transformé mesure avec virgule en degrés et secondes et minutes. Et minutes et secondes, pardon. On a trois mots très importants pour nous. On a trois mots très importants. Le premier mot, c'est, ça se met trop bien, ça va. Alors, le premier mot, c'est sinus. Le premier mot, c'est sinus. Le deuxième mot, c'est cosinus. Et après, on a tangente. C'est quoi ça? Si je veux savoir le sinus d'un angle, alors, le sinus d'un angle égale quoi? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé sur l'hypoténuse. Voilà, alors sinus égale opposé sur hypoténuse. Alors, si je veux par exemple, sinus de C égale opposé, c'est AB, sur l'hypoténuse AC. D'accord? Alors, le deuxième, c'est cosinus. C'est quoi le cosinus? C'est l'adjacent. Qu'est-ce que ça veut dire adjacent? N'est pas l'hypoténuse, bien sûr, n'est pas l'opposé. Alors, c'est ici. L'adjacent veut dire qui est à côté. Voilà, ça, c'est l'opposé. Pardon, ça, c'est l'adjacent. Alors, c'est adjacent sur aussi hypoténuse. D'accord? Alors, le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. D'accord? À la fin, on a le tangente. Le tangente, c'est entre les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est opposé sur adjacent seulement. Alors, le tangente, c'est opposé sur adjacent. Regardez ici, si on veut faire ça, c'est notre exemple. Par exemple, voilà A, C, ça c'est hypoténuse, et ça c'est AB, et ça c'est BC. Qu'est-ce qu'on va faire? Si je veux le sinus de A, c'est quoi le sinus de A? Ce qui est opposé, c'est le BC sur l'hypoténuse, c'est AC. D'accord? Si je veux cosinus de A, l'adjacent, voilà, ça c'est l'adjacent de A, ce qui est à côté de point A, sur l'hypoténuse. D'accord? À la fin, on a le tangente. C'est quoi le tangente? C'est opposé sur adjacent seulement, pas d'hypoténuse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le tangente égale sinus sur cosinus. Comment ça? Comment tangente égale sinus sur cosinus? Allez, on va savoir. On va le prendre le point de sinus. Le point de sinus dit quoi? Opposé sur hypoténuse. Ça va? Alors, on va écrire opposé sur hypoténuse.
Et le cosinus dit quoi? Le cosinus dit que je suis adjacent sur l'hypoténuse. Voilà, adjacent sur l'hypoténuse. Alors, opposer cette hypoténuse divisé par adjacent sur l'hypoténuse, cela veut dire si on fait le contraire, l'hypoténuse va aller avec l'hypoténuse. Alors, si on fait comme ça, voilà, ici c'est l'opposé, ici c'est l'hypoténuse, fois, on va renverser hypoténuse sur adjacent. Comme ça, l'hypoténuse va aller à ça, les deux vont aller ensemble et restent opposés sur adjacent. Voilà notre conclusion, que le tangente égale sinus divisé par cosinus ou sinus sur cosinus. D'accord? Allez, on va prendre l'exemple ici. Notre exemple dit quoi? On va marcher aujourd'hui avec Pythagore, bien sûr. Si on a un triangle, X, Y, Z. Triangle X, Y, Z. X, Y égale 6 cm. Y, Z égale 10 cm. On va dessiner d'abord pour savoir ce qu'on dit, ça c'est juste ou non. X, Y, voilà, égale 6 cm. Et Y, Z égale 10 cm. Voilà, c'est un triangle rectangle. On va utiliser la loi de Pythagore d'abord et après, il veut toutes les fonctions de trigonométrie. Il veut toutes les fonctions de trigonométrie. Alors, qu'est-ce qu'il veut ça? D'abord, on doit trouver la mesure de zx. D'abord, on doit trouver la mesure de zx. Zx au carré. Ça, c'était au carré, égale ça au carré, plus ça au carré. Maintenant, on veut ça. On veut z, x au carré, égale z, y au carré, l'hypoténuse, moins x, y au carré. Ça va comme ça? Z, y au carré, moins x, y au carré. Z, y, c'est quoi? C'est 10. Alors voilà, on a 10 au carré moins x, y, c'est 6, alors c'est 6 au carré. Le résultat va donner 64. Alors, x, y, pardon, c'est z, z, x égale racine de 64 va donner 8 cm. Ça va comme ça? Alors, la mesure de zx ici donne 8 cm. Ça va? Alors, il veut quoi? Il veut les fonctions de tous les points. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut la fonction de tous les points? Cela veut dire qu'il veut sinus de z, cosinus de z et tangente de z. Il veut les trois points. Même chose pour y. Sinus et cosinus et tangente. Allez, ensemble, on va faire ça. Si vous avez les points ici, voilà. Maintenant, ça devient 8, n'est-ce pas? Alors, ça devient 8. On va commencer par le point Y. Voilà, je veux sinus de Y. Regardez avec moi, il veut sinus de Y. Où est l'opposé? On veut ça maintenant. Voilà, ça c'est l'opposé. C'est combien? C'est 8. L'opposé ici c'est 8. Alors on va faire 8 sur
L'hypoténuse, bien sûr, c'est 10. Voilà, sur 10. Avec simplifié, il va être 4 sur 5. On va aller maintenant pour le cosinus du même point, parce qu'il a dit tout fonctionne de tout. Je veux le tout ici et le tout ici. D'accord? Alors, y va être... Voilà y. Où est l'adjacent de y? Ce qui est à côté de l'y. Ça, ce qui est à côté de y, c'est 6 cm. Alors, c'est 6 sur, même chose, hypoténuse. Avec un peu de simplification, on va donner 3 sur 5. À la fin, il veut tangente. À la fin, on veut le tangente. On a deux façons de faire le tangente. On peut faire ça, divisé par ça. D'accord? 4 cinquièmes divisé par 3 cinquièmes. Alors, c'est 4 cinquièmes fois 5 quarts. 5 tiers, pardon, c'est 5 tiers ici. Alors, le résultat va être 4 tiers. Ça, si je veux faire simplement la division entre sinus et cosinus. On va aller ici pour le faire avec le façon normal. Qu'est-ce que c'est tangente? C'est opposé. Voilà le point Y. Opposé, c'est 8. Sur adjacent, c'est 6. Avec simplifié, on va le faire 4 sur 3. Il a donné la même réponse ici. Alors, si je peux le faire comme ça, ça va. Si je veux le faire comme ça, ça va. D'accord? Ça, c'est pour le point Y. Et à la fin, on va le faire même chose pour le point Z. Sinus, tangente et cosinus. On veut changer un peu. Alors, on va faire quelque chose. On veut aujourd'hui faire des différents exemples pour changer un peu entre les points. Triangle ABC. AB égale 13 cm. AC égale 20 cm. Trace AD perpendiculaire sur BC qui coupe BC en point D. Voilà notre problème, une autre façon de problème. Alors, ça c'était le premier, ça c'était le deuxième. Ici, il n'a pas dit Pythagore, il n'a pas dit entre deux rectangles, il n'a rien dit. Seulement, il a utilisé ce mot, perpendiculaire. Il a utilisé ce mot. Alors, ça c'est le mot clé pour moi. Cela veut dire quoi? On va dessiner simplement. Voilà. A, B, C. Triangle ABC. Pas de problème. Il veut quoi? Il a dit AB 13. Voilà, AB 13 cm. AC 20. Alors, on a besoin de prolonger ça un peu parce que c'est un peu plus grand. Alors, on va le prolonger. Voilà. Et ça, c'est 20. D'accord? Il a dit quoi aussi? Il a dit qu'on va faire perpendiculaire ici. On va faire perpendiculaire ici, voilà. Cela veut dire perpendiculaire ici. On a oublié. Alors, A, B et A, C. D'accord? Il a dit ça, c'est combien? Ça, c'est 16 cm. Voilà. On a oublié de faire quelque chose ici. C'était CD. CD égale 16 cm. D'accord? Alors, il a dit AB, AD, perpendiculaire sur BC. Il va le couper ici. Alors, maintenant, on a deux triangles rectangles. On a deux triangles rectangles. Ça, un triangle, et ça, un autre triangle. Regardez ici, vous avez 16, vous avez 20. On a besoin de trouver AD. D'accord? On a 20 cm ici, et on a 16 cm ici.
Alors, comment on va faire ça? On va faire AD au carré, loi de Pythagore, pour trouver ça d'abord, égale AC au carré moins DC au carré. Alors, c'est 20 au carré moins 16 au carré. On a besoin d'utiliser la calculatrice? Non. C'est simplement, ça c'est, va être simplement 20 au carré. Ça c'est 20 au carré. Voilà 20 au carré. Voilà 400, 20 au carré, c'est 400 simplement. Alors on a 400 moins 16 au carré. 256 moins 256. On va faire la soustraction. 400 moins 256 égale 644. Voilà 644. Alors, maintenant, on va trouver AD égale racine de 244 va donner 12 cm. On a besoin de trouver toutes les mesures ici pour faire le sinistre et le cosinistre et ce qu'il veut. D'accord? Alors, racine 144 égale 12 cm. Alors, on va le mettre ici. Voilà, 12 cm. Maintenant, on a besoin de trouver quoi? BD. Voilà, ici, c'est inconnu pour moi. Avec le même loi de Pythagore. BD au carré égale AB au carré moins AD au carré. Alors, c'est 13 au carré, voilà, moins 12 au carré. Alors, le 13... On va approcher ici un peu. Voilà. 13 au carré égale 169. استأذنك فاصل قصير سوزان. اوكي. فاصل قصير ونرجع لكم تاني. طلبات وطالبات الثانوية العامة. يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية. ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. ورجعنا
رجعنا لكم تاني والرياضيات باللغه الفرنسيه مع الاستاذه هند عبد العزيز. اتفضلي. On va retourner ensemble ici, on va continuer le même exemple. C'était 13 au carré moins 12 au carré. Alors, le 13 au carré donne combien? Donne 169 moins 144. Alors, le résultat ici va être 25. Alors, si je veux faire les racines, alors on a BD égale racine 25, alors va donner 5 cm. Alors, le BD, voilà, ça c'est BD. Ici, c'est 5 cm. Maintenant, on a toutes les mesures avec nous. On a le 12 cm ici, 5 cm ici, et voilà, c'était ici 16, et 20, et 13. Alors, il dit quoi? Un autre genre de question, c'est démontrer. La plupart des élèves n'aiment pas cette question démontre. Mais avec moi, on va l'aimer bien, c'est facile, n'est pas difficile. Prenez chacun seul. On a sinus au carré B plus cosinus au carré B égale 1. Laissez ça maintenant. On veut faire la 1 maintenant. On va travailler sur ça. Allez, ensemble, on va travailler sur ça. Sinus au carré B plus cosinus au carré B. On va remplacer simplement. Où est le sinus de B? Où est le point B? Voilà, ça c'est B avec nous. Où est le sinus? C'est l'opposé sur l'hypoténuse. L'opposé, c'est 12 sur 13. Alors voilà, 12 sur 13 au carré. Il y a carré ici, faites attention, il y a sinus au carré B. Alors, c'est 12 sur 13. Une autre fois, voilà le point B. Le point B égale opposé sur l'hypoténuse. 12 sur 13. Plus cosinus au carré B. On va retenir une autre fois. Où est le cosinus? Ça, c'est l'adjacent. Alors, c'est 5. 5 sur 13. Si on fait le carré de ça, plus le carré de ça, simplement, il va donner 1. Maintenant, on a arrivé au résultat sans faire un effort. Le carré de sinus B plus le cosinus au carré B arrive, le résultat c'est 1. Numéro 2, il veut aussi démontrer quoi? Que sinus B moins cosinus C plus 57 sur 65 égale 1. Même chose, laissez ça maintenant. On ne veut pas le 1. On va remplacer tout ça avec nous. Sinus B, voilà sinus B, moins cosinus C plus 57 sur 65. Où est sinus B? On a déjà pris sinus B là-bas. Voilà, ça c'est 12 sur 13. Voilà. Voilà, on a déjà pris le 12 sur 13. Moins. Il veut maintenant cosinus C. Où est cosinus C? Retournez avec moi ici. Voilà le C. Où est le cosinus? Adjacent sur hypoténuse. Alors, c'est 16 sur 20. 16 sur 20. Moins 57 sur 65. Le résultat ici, 12 sur 13, 13e, moins 16 sur 20, plus 57 sur 65. Simplement, avec un peu de la calculatrice, il va donner 1. D'accord? Alors, ça a été le deuxième genre pour le trigonométrie, démontrer. Avant de faire démontrer, tu dois avoir toutes les mesures avec vous pour être facile de faire la démontre. On va prendre comme ça un exemple pour finir ça. Je peux dire à tous mes élèves que si la tangente égale sinus sur cosinus, alors voilà veut dire quoi? Que le cosinus égale quoi? Sinus divisé par tangente. D'accord? Alors c'est simplement une petite idée comme ça. Pour vous sur tangente, et à la fin, si je veux le sinus,
égale cosinus sur tangente. Et ça, ce qu'on peut dire aujourd'hui, alors c'est très facile, le trigonométrie c'est très facile, n'ayez pas peur, avec un peu d'effort, vous allez bien. Merci pour mes élèves, et merci à tous. Have a seat. انتي لو في اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك بصفه عامه يا ريت اوكي انا بس عايزاهم ما يخافوش من التريجونومتري هم شايفين ان هو حاجه جديده وحاجه صعبه شويه عليهم لا هو سهل جدا هو فرع موجود معانا بيكمل الجيومتري بيكمل الالجبر معانا بس نحاول نعمل اكزرسيس على طول بس هو ده اللي انا محتاجاه منهم نعمل اكزرسيس على طول بعد كل لسان وانا منتظره اي مراسلات منهم لو اي حد عنده اي كيستيو يتواصل معي التواصل عن طريق الواتس بالظبط كده الرقم اللي هو موجود على الشاشه التواصل وانا برد على اي كيستيو بتجي لي مش مفيش مشكله في اي وقت مفيش مشكله في اي حاجه بالنسبه لخصوص الاسئله شكل الاسئله مثلا مش هتيجي دايركت الناس متخيله الاسئله تيجي مباشره لا الاسئله مش كلها تيجي مباشره طبعا احنا بنتعامل مع كل المستويات احنا بس كل ما بنعمل اكزرسيس كتير كل ما بيبقى رد الفعل احسن والحل يبقى اسرع تمام. هو ده عشان نوصل الوقت نكسب الوقت في الاكزامات انما مفيش مواصفات محدده بالنسبه للامتحان لهي دلوقتي لا هو المواصفات الطبيعيه بتاعتنا ما حصلش عدديه ما حصلش فيها اي تغيير احنا بس بنحترم كل القواعد بتاعتنا اللي هو في فرايتيز في الايه في الاسئله الاسئله مش ثابته على نظام معين جميل. لا في انواع كتير جميل بس شرفتينا يا استاذه هند ونتمنى ان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه ان شاء الله ان شاء الله يا استاذ باذن الله وتمنياتنا القلبيه بالتوفيق دايما لطلابنا الاعزاء شكرا لكم جميعا شكرا